on est un peu un boys band, les jeunes en moins. Et donc, c'est un des gros problèmes qu'on a culturellement. On est 3-4 associés, vous l'avez vu. On s'est souvent développé à l'étranger en envoyant un Belge en Afrique du Sud, à Dubaï, à Singapour pour construire l'agence. Et aujourd'hui, même si on arrive à bien aborder ces millennials, je pense que le principal problème qu'on a dans notre organisation, c'est le gender balance. On fait chaque année, on organise une conférence, on invite tous les patrons de pays, les numéros 2, etc. On appelle ça shifting gear, parce que chaque année, on essaie de passer un braquet supérieur. Et malheureusement, le nombre de femmes versus d'hommes n'est pas on part avec ce qu'une entreprise moderne devrait avoir. Et je dois vraiment avouer que c'est sans doute un des principaux, tu mets le doigt sur un des gros défis culturels, managerial, etc., qu'on peut avoir. Comment, dans 2 ans, avoir une proportion équilibrée d'hommes, de femmes au sein de la boîte. Et donc, on y travaille, et c'est extrêmement compliqué. Donc,